Le mal dedans qui jette le lion au sol. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Peut-être ton ami, quand il t'a appelé pour te dire que vous devez faire le duo contre Malox et tout cela, il ne t'a pas bien expliqué ce qui s'est passé. Mais je crois que tu vas finir par comprendre ça à tes dépens. Parce que le début de ta chute, c'est l'arrogance. Je vois qu'il y a un peu trop d'arrogance maintenant dans tes mots. Je peux faire, je vais faire, on m'a déjà. Qu'on ne te trompe pas, hein. Je dis bien qu'on ne te trompe pas. C'est le mal dedans qui jette le lion au sol. Je vois que peut-être là où tu es là, comme ton ami t'a appelé pour te dire que bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, Malox va faire comme ça. Tu te trompes très mal. Tu te trompes comme le jour où il allait déposer la plainte au CERC en se disant que le man qui le tout mal, dès qu'il va arriver là-bas, il va organiser, on va mort. Un vieux bandit, vous allez m'arrêter comment? On sent les gens qui n'ont même jamais eu les maths dans leur vie. Il allait dire que. Je gère les maths H24. J'ai l'un des bars les plus populaires de Yaoundé. Je gère les problèmes H24. Tu ne peux pas gérer les problèmes là où je gère les problèmes. Tu te mets sur internet, petite manipulation. Tu veux m'amener le mépris. Moi, je te dis que toi, tu ne peux pas m'amener le mépris. Je dis que toi, tu ne peux pas l'amener au mépris. Et tu dis que tu vas profiter du clash avec moi pour faire ton business. Ça, c'est les erreurs. Parce que demande bien à ton ami Steve Londepso, hein. Comment il était arrivé là-bas, il s'est mis à pleurer que, grave, je n'arrive plus à cause de ce qu'il fait. Je n'arrive même plus à avoir un client. Je souffre, je marche et tout. Il connaît bien de quoi ils sont en train de parler. Il connaît bien. Tu ne peux pas mettre Malox à genoux. Tu attends plus de 2 ans, 3 ans pour venir te mettre et dire que je l'avais mis à genoux. Tu ne peux pas. Il n'y a personne qui peut faire ça. Tu mets Malox à genoux. Je te demande pardon. Là, tu vas publier ça dans le monde entier. Surtout lui-là. Mais comme il t'a appelé pour faire le duo avec toi maintenant contre Malox, je vais vous montrer que vous deux, vous ne pouvez pas. Moi, je vais vous briser. Tu dis que tu veux profiter du clash pour faire ton business, hein, et vendre tes machins là. Hein. Ok, d'accord. On va voir si après ça, tu pourras même encore vendre un savon à quelqu'un. J'ai dit qu'on va voir si après ça, tu vas pouvoir encore vendre un savon à quelqu'un. Comme il t'a appelé là, il t'a menti, hein. Ma chérie, il te trompe. Ce que tu es en train de vouloir faire là. Moi, je viens écouter ton direct. Et votre petite manipulation que vous voulez faire là, moi, je vous dis que vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas prendre les gens pour des idiots à ce niveau. Il a fait la vidéo, ça fait plus d'un mois. Même j'ai vu la vidéo, il a dit que le petit s'y cherche le buzz. Parce que net après cette vidéo, il a fait une vidéo, il insulte Samuel Eto'o. Il insulte Valsiro, il insulte Malox. Il est sûr que le type, s'il veut qu'on parle de lui, ça a cuit. On a enlevé toutes ses chances par le derrière. Il veut maintenant la visibilité, ça cuit. Il a dit qu'il m'en fout, il ne parle pas. Mais toi, comme il t'a appelé, tu veux Mimba que tu as les abonnés, que tu réactives le mata. Hein? Tu as la chance que depuis que tu parles là, tu n'as pas encore dérapé. Tu parles là, tu n'as pas encore glissé. J'écoutais ton direct, j'attendais la glissade. Et moi, je suis en train de te dire ça. Pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire là. Tu dis aux gens que j'ai fait quoi? J'ai seulement fait une vidéo, j'ai ri. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein? Si tu ne veux pas qu'on prête attention à un sujet, tu ne peux pas faire 3 posts. Tu as fait au moins 3 posts sur cette histoire. Tu as fait au moins 3 posts. Tu as fait le premier post, les gens t'ont critiqué. Tu as fait le deuxième avec la vidéo. Et tu t'es prêté à faire le troisième. Parce qu'il t'a appelé et que vous voulez maintenant faire le duo, vous deux contre Malox. Mais laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas dit ce qui s'est passé. Je suis un vieux dans l'histoire là. Je suis un vieux bandit. Et comme tu dis que oh, tu as les abonnés, j'ai les abonnés, j'ai les fans. Qui t'a dit que tu as les fans? On est fan de toi, que tu as quoi? Tu es quoi? Qu'est-ce qui vous trompe même sur internet? Que oh, Malox, tu as les fans, j'ai les fans. Tu as les fans, que tu as quoi? Ton histoire c'est quoi? Quelle est ton histoire? On va s'inspirer de toi, qu'on s'inspire de quoi? Au juste, quelle est ton histoire? Aïcha, tu viens d'où? Tu sors d'où? Ton histoire, c'est quoi? Tu dis que tu as les fans. Moi, Malox va dire qu'il a les fans. Ça va faire 20 ans que les gens me suivent. On m'a vu partir du sous-sol jusqu'à devenir ce que je suis. Preuve à l'appui. Toi, tu dis que tu as les fans, que ton histoire, c'est quoi? Oh, tu sors d'où? Le Congo, ça, tu fais le boubou tombe, hein? Tu as mon numéro, non? Tu as dit aux gens que tu as mon numéro, non? Que tu me connais, non? Tu écoutes une histoire. Tu vas aborder un sujet sur ta page. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas. Tu écoutes une histoire. Tu dis que tu es innocent. On t'a pas appelé. Vous n'êtes pas en train de faire un plan. Tu écoutes une histoire. Qui s'est passé il y a 2, 4 ans. Tu ne veux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas m'écrire. Tu ne m'écris pas, non? Tu fais un post, tu fais 2. Comme ça ne suffit pas, tu fais la troisième, tu fais la vidéo. C'est parce qu'en fait, tu cherches quelque chose. Et comme ce quelque chose n'est pas en train de donner, tu veux y changer de version. Mais moi, je t'ai dit, j'ai écouté ton direct tout à l'heure. J'attendais que tu dérapes. Aïcha, j'attendais que tu dérapes. Ne vois pas les petits abonnés comme eux t'embêtent. Tu vois faire la vidéo qui a dit que après ça, mais Lyon, j'ai pas à Paris. Tu crois que Paris, votre Paris là, c'est quoi? Tu crois que vous êtes à Paris, vous êtes quoi? C'est même ton petit Paris là qui te sauve. Tu crois que quand vous êtes en France, là, vous êtes quoi? J'ai dit que j'attendais que tu dérapes. Comme il t'a appelé pour te dire que vous faites le duo contre moi, il n'y a pas de lézard. J'attendais que tu dérapes. Il est parti au CERC. Tu connais le service central du CERC. C'est là-bas qu'on garde tous les terroristes et les ministres là. Les voleurs de la République. C'est là-bas au service central qu'il a déposé la plainte. Donc son fameux ministre l'a envoyé là-bas que go déposer en valeur. Je suis arrivé là-bas en veste. Je suis d'abord arrivé en veste. Chaud à mort, mon avocat, chaud à mort. Tout le monde connaît. Donc tu crois qu'un vieux bandit, tu vas le prendre, tu vas le embrouiller. On dit que audition est démontée au petit là que tu ne connais rien, petit frère. Tu es un prisonnier ambulant, tu ne connais même pas. Il fallait voir comment il sortait de là en fuyant, comme un rat. Aujourd'hui, il se lève, il dit que il m'a mis à genoux. Tu peux mettre Malox à genoux. Tu connais.
Quand on appelle au service central du ciel, vous savez même où c'est. On demande pardon là-bas. Quand tu entres là-bas, on demande pardon là-bas. Il y a pardon au service central du ciel. Quand tu entres là-bas, il n'y a pas pardon là-bas. Hein. Quand tu as tort, tu as tort. Quand tu as raison, hein. Il n'y a pas de que je suis venu demander. N'est pas là-bas qu'on demande pardon. Je vous entends là, vous parler. Je sens que les gens qui n'ont jamais, sur Internet, tu vois les gens qui n'ont jamais eu les problèmes dans leur vie, hein. Il avait commencé son truc là sur Internet, il dit que tu ne peux pas me dépasser. Même si on me sent après, je dis que non, pardon, je vais venir faire la paix avec mon frère, alors que ce bon moment. J'ai dit que je ne veux pas la paix. Petit frère, je ne veux pas la paix. Maintenant, c'était que je vais porter plainte. J'ai porté plainte au service central. Il croit que je vais venir. Je suis venu. Je suis venu. Et comme tu es en train de parler là, tu avais la possibilité de m'appeler pour me demander. Tu ne m'as pas appelé. Tu as fait 1, 2, 3 posts, la vidéo, pour montrer que tu vas activer, tu vas bailler le problème là. Moi, je te dis que j'attends que tu dérapes une seule fois. Je vais te montrer que même un savon, même une aiguille, tu ne vas plus vendre. Peu importe le temps que ça va me prendre, même un savon, tu ne vas plus vendre. Je ne sais pas ce qui vous trompe. Hein. Je ne sais pas ce qui vous trompe. Moi, je choque sur Internet et je choque dans la vie en vrai. Je ne suis pas dans vos films que vous vivez là, que je vous vois, vous êtes sur Internet, pause de publicité. Moi, je ne suis pas dans la pause de publicité. Hein. Je choque en vrai. Et moi, je te dis, et je te préviens encore, je fais le direct là pour te dire et te prévenir, parce que je ne vais pas revenir dessus deux fois. Si tu veux entrer dans ça, si tu veux acheter le problème là, ça va devenir ton problème. Je dis que si tu veux acheter le problème là, ça va devenir ton problème. Je ne t'ai jamais, je dis jamais cité dans quoi que ce soit, parce que je te considère comme une petite sœur. Je t'ai vu à Paris dernièrement, tu avais ton stand là-bas, tu fais la comité, la des produits. Je me suis rapproché de ton stand. C'est le seul stand où je me suis arrêté comme ça et fait la com de tes produits. Parce que je te considère comme une petite soeur. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. J'étais libre de ne pas faire. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. Mais quand le petit là t'appelle aujourd'hui, il veut faire le duo avec toi contre moi. Le problème que tu vas acheter là, il va te montrer que tu n'es pas encore né. Crois-moi sur parole.